Il sera prochainement le héros du nouveau film de Joachim Lafosse. En attendant, Gabriel Meerschaumer, le petit-fils d'Isabelle Huppert, est allé défendre le projet en compétition au Festival de Cannes. Rien que ça. On dit que le cinéma est une grande famille. C'est d'autant plus vrai chez Classe Égale à chère Isabelle Huppert. Elle est non seulement l'une des comédiennes françaises les plus connues de l'univers, mais elle a aussi donné naissance à quelques fiers représentants du 7e art. Le vendredi 16 juillet 2021, c'est carrément son petit-fils, Gabriel Meerschaumer, qui foulait le tapis rouge de la 74e édition du Festival international du film de Cannes auprès de Joachim Lafosse, Leïla Bekhti et Damien Bonnard. Et pour cause, le très jeune garçon fait ses premiers pas sur grand écran dans le film Les Intranquilles. Projeté au Festival de Cannes 2021, le nouveau projet de Joachim Lafosse sera disponible pour le commun des mortels, en salles obscures le 6 octobre prochain. Il sera donc possible de découvrir prochainement les aventures de Gabriel Meerschaumer dans ce drame familial. Il incarne Amin, le fils d'un couple en pleine destruction sous fond de troubles bipolaires. Dans la vraie vie, bien sûr, ses parents ne sont pas Leïla Bekhti et Damien Bonnard. L'acteur en herbe est le fils de Lolita Chama, l'une des trois enfants d'Isabelle Huppert et du réalisateur et distributeur Ronald Chama. Ce premier rôle n'est pas exactement une surprise. En mars dernier, alors qu'elle évoquait le tournage compliqué du film Les Intranquilles à cause de la crise sanitaire, Lolita Chama confiait que son fils tiendrait l'un des rôles principaux et y ferait ses premiers pas au cinéma. Décidément, quelle famille! Lolita est elle-même comédienne et a une cinquantaine de longs métrages à son actif. Quant à son frère, Lorenzo, il travaille en tant que programmateur pour le cinéma d'art et essai Le Christine 21, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Quand on dit que le fruit ne tombe jamais bien loin de l'arbre,